l'origine, c'est grâce à l'apparition des soirées d'acid house, un genre de son bien connu des puristes de la musique électronique, que le mouvement a commencé à se profiler. Mais c'est seulement lorsque les premiers collectifs techno, que l'on appellera plus tard des sound systems, mettent la main sur cette musique d'une espèce inédite, que les free parties vont officiellement apparaître. Et s'il y a bien un nom à retenir dans l'émergence de cette culture underground, c'est bien celui des Spiral Tribe. Ce sound system anglais, après avoir fait résonner la Grande-Bretagne, a dû s'exiler à travers toute l'Europe à la suite de leur arrestation par les forces de police locales et de la répression des fêtes mises en place par le gouvernement britannique. Et là, commence pour eux un tour de l'Europe, pendant lequel ils passent par exemple par les Pays-Bas, la République tchèque ou encore Berlin. Ils organisent à l'occasion de leur périple les premiers Technival. Et c'est en 1993 que ces nomades vont faire connaître le mouvement sur nos terres gauloises. C'est à Beauvais, site ô combien historique de la free party française, que plus de 600 participants, avides d'expérience, découvrent pour la première fois ce phénomène outre-Atlantique. Grâce à Spiral Tribe et bientôt de Sound System, le Technival, qui aura duré 5 jours en tout, va poser les galons du mouvement en France. Un jour, voilà, j'ai réussi à la zone Tawa, un petit calage, il y avait 10 kilos de son, quoi. Et en fait, je suis arrivé là-bas, je suis garé, et j'ai halluciné déjà le fait de voir un empilement de caissons comme ça, enfin, j'avais jamais vu ça, enfin, je trouvais ça excellent, quoi. Et puis bon, la musique, je connaissais pas, et ça, j'ai de suite accroché, ça m'a plu, puis bon. Puis quand j'ai vu le gars derrière ses platines, en train de mixer, j'ai dit putain, mais lui, il doit se régaler, quoi. J'ai dit putain, je vais me mettre à sa place, quoi. Nos premiers artistes français commencèrent à faire leur pas sur le devant de la scène. Manu le Malin, Sono Pirate, Misanthrope et bien d'autres encore ont fait partie de ceux qui ont marqué les soirées d'une génération entière. Un peuple entier finit par vibrer au contact d'un mouvement que rien ne semblait pouvoir arrêter. Les médias, dans leur désir de faire de l'audience, s'emparèrent du mouvement. Pointant du doigt les mauvais côtés, ceux-ci vont être à l'origine de nombreuses polémiques. Les atteintes aux propriétés privées, la pollution des sites, les nuisances sonores et surtout la drogue seront les armes des JT et des journaux pour diaboliser la free. J'ai des potes, ils ont monté des associations, ils se sont fait dissoudre leur association, ils ont eu des interdictions de poser en soirée, des amendes pour le bar, pour les plaines des riverains, pour l'accès au DFCI. Tu peux vite te retrouver avec plus rien, quoi. En 1995, des circulaires émises par la Direction Générale de la Police Nationale décrivent les soirées rave comme des situations à haut risque. Nous, on s'est fait saisir nos 7 kilos, on les a vus partir dans un camion. Des gens sont interposés, mais quand il arrive un moment où y a plus de flics que de public, tu sais pertinemment que tu peux plus rien faire. Nous sommes sur la fin de l'année 1998. Une nouvelle circulaire, émise cette fois par les ministères de la Défense, de la Culture et de l'Intérieur, fait la distinction entre ces rêves légales, organisés, et les rêves clandestines, autrement dit notre mouvement, celui de la Free Party. C'est pas trop ce qui se passait, quoi. Petit à petit, ils ont renforcé, ils ont établi toute une liste de procès-verbaux pour essayer d'arrêter le mouvement. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est arrêter le mouvement, ça leur plaît pas, quoi. C'est des soirées qui sont pas contrôlées, ils sont pas là pour voir ce qui se passe. Mai 2001, à la suite d'un Technival à succès, Thierry Mariani dépose un nouvel amendement au projet de loi sur la sécurité quotidienne. Celui-ci encadre alors les free parties, obligeant les organisateurs à déclarer leur soirée au préfet du département dans lequel celle-ci doit avoir lieu. Le préfet est libre de refuser le rassemblement si les critères imposés ne sont pas respectés. Et malgré les réactions qui ont amené le retrait de ce dispositif anti-free le 5 juin 2001, cet amendement sera de retour le 15 novembre, cette même année, à la suite des attentats du 11 septembre.
Les organisateurs de ces soirées sont passibles d'une amende de 75 000 euros et d'une peine de prison ferme. Et les forces de police veillent à ce que tout ne soit que calme et tranquillité. Et lorsque celles-ci interviennent sur une free party, elles emploient les grands moyens. Moi, j'ai eu pris des coups de matraque, des coups de tout ce que tu veux. C'est à l'époque, il n'y avait pas les flashballs, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on aurait eu sérieusement mal. Ils arrivaient avec leur matraque, nous, on ramassait les cailloux et on jetait dessus. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais si t'aimes la teuf, si t'aimes ta teuf, si t'aimes le son, si t'aimes l'esprit free, oh, ça se défend. Pourtant, cela n'a pas empêché de vaillants sans système à continuer à poser malgré l'interdiction. Peut-être que vous ne voyez pas encore les raisons qui nous poussent à manifester. Peut-être même que les plus étroits d'esprit ne voient en nous que de jeunes fêtards qui pleurnichent sur le fait qu'on ne nous laisse pas nous éclater tranquillement. Et à ces gens-là, je vous dis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce qu'il ne s'agit pas juste de défendre le fait de faire la fête dans la nature. La vraie raison, c'est que nous sommes un mouvement culturel que les grandes instances refusent de reconnaître. Je trouve ça complètement aberrant. Je trouve ça complètement aberrant. Explique-moi pourquoi le rock est encadré par le ministère de la Culture. Explique-moi pourquoi la musique classique... Enfin, tout, y a, si tu regardes, tous les mouvements musicaux, culturels, on leur donne tous des coups de pouce. Tous des coups de pouce. Et on va prendre des exemples tout à fait récents. Tous ces festivals techno qui ont été annulés. Hadra Festival, qui n'ont plus leur site, sous prétexte qu'il y a des marmottes qui se reproduisent. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les marmottes, elles se reproduisent depuis des années. Et en plus de ça, quand le Hadra arrive, c'est pas le moment de la reproduction des marmottes. Donc on nous prend réellement pour des cons. On nous prend réellement... Qu'on protège les sites naturels, je suis pour. Je suis pour parce que je suis pas, déranger les animaux, parce que j'ai un profond respect pour les animaux, peut-être même plus que pour l'homme. Ça, c'est mon point de vue, et il regarde que moi. Être encadré par le ministère de la Culture, oui, on est des terroristes, mais on n'a jamais été des terroristes. On tire sur personne. Ok, je reconnais que notre musique ne plaît pas à tout le monde, mais si on revient pas mal d'années en arrière, Woodstock, ça plaisait à personne, hein, et... La drogue, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Le LSD, c'était à Woodstock. Hein. Monsieur Hoffman, il n'est pas né en 1994, hein, pour ne citer que lui. Donc, faut un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Techno égale drogue. Alors, à ce compte-là, rock égale drogue, musique classique égale drogue. Enfin, toutes les musiques peuvent se rapporter à la drogue. Donc, faut arrêter les conneries. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir que le ministère de la Culture défende aussi. Parce que force est de constater que la culture techno est en train de prendre une place énorme. Énorme, et il n'y a pas d'autre mot. Car chaque soirée est le résultat d'un travail technique et artistique acharné. L'expression même des talents de chaque membre du Sound System, unis dans un but commun. Faire vivre au plus grand nombre une expérience unique qui transfigure cette réalité morose dans laquelle nous sommes enfermés. Inutile de dire, si vous avez été d'attentifs spectateurs, qu'une free party ne peut pas se faire sans un Sound System qui l'organise. À la base de cette équipe, on a un nombre variable de personnes qui sont généralement de vieux copains. Suivant la spécialité des bonhommes, chacun trouve sa place au sein du crew. Certains seront les techniciens, gérant le matériel de sono, d'autres s'occuperont de l'organisation des soirées, les âmes d'artistes décorent la soirée, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et évidemment, en plus de leur rôle, beaucoup sont les DJ, faisant découvrir leurs sons favoris aux participants. Pour que cette équipe puisse organiser une bonne soirée, la première étape est de trouver un site où poser. Les organisateurs recherchent principalement en pleine nature ou dans des bâtiments désaffectés. C'est toujours ça sur des terrains privés, quoi, suffisamment loin de toute habitation donc pour éviter de déranger personne. Un terrain suffisamment grand aussi pour accueillir tout le monde et pas déborder sur le terrain des voisins, quoi, des responsables. Et après, bon, on leur explique qu'il voilà, y a des règles à connaître, quoi. Il faut laisser libre tous les accès. Il faut aussi respecter voilà, le fait que l'été, il y a les incendies, les feux de forêt, donc il faut éviter d'aller dans des endroits sensibles. Une fois que le terrain parfait est trouvé, le crew se donne rendez-vous pour préparer le plan d'attaque de la soirée, à savoir la donation, le bar, les stands, la déco et bien évidemment le son. Il faut des gens au parking, il faut des gens qui restent au bar, il faut des gens qui restent vers le son si jamais il y a des problèmes qu'il faut régler, etc. Il y
Il y en a un en général qui s'occupe du line-up, qui s'occupe donc de faire le passage du DJ, etc. Et quand tout ça est enfin prêt, la machine se met en marche. Les caissons et le matériel sont acheminés jusqu'au spot, on branche le tout, on fait les tests, on pose la déco de la soirée, les différents stands, et enfin, quand tout est prêt, l'infoline tant attendue par les toughers à l'affût est lâchée. Bonjour et bienvenue sur Mémophone. Pour entrer dans le service des boîtes vocales, appuyez sur étoile. Ordonnant le lieu et l'itinéraire à suivre pour profiter du résultat. De Montpellier, prendre la A51 direction Aix, sortir à Gardanne, prendre direction Prête, rester sur la voie rapide. Une chose importante à préciser, ces personnes nous offrant ces soirées n'en font pas leur métier. Tous ont une activité professionnelle en dehors du mouvement. Ces hommes et femmes préparent les teufs sur leur temps libre, sans rien recevoir en retour. Malgré les risques encourus, ces gens-là font ça par pur philanthropisme. Que ce soit de la part des chasseurs, parce que bien souvent on rencontre des chasseurs aussi en soirée, les randonneurs ou même les riverains, ils en ont peur, donc du coup, ils appellent de suite les flics, ils n'ont pas peur de porter plainte. Parlons-en. Pour beaucoup, la création électronique en général est une hérésie de la musique. Pourtant, même s'il s'agit de sons produits par un ordinateur, dire que ce n'est pas de la musique est tout de même exagéré. Les morceaux sont élaborés selon les mêmes règles de structure que n'importe quel titre qu'on entend à la télé ou à la radio. Ils suivent un rythme, des mesures, des gammes définies par leur artiste, etc., etc. Bref, la musique électronique mérite son appellation en tant que musique. Pour en revenir au son de Teuf, il faut avouer que ce n'est pas tout le monde qui peut apprécier cette musique. Si le mouvement était d'abord rattaché à la scène techno à ses débuts, celui-ci a permis à des genres musicaux sortant complètement du mainstream de se développer, passant aux mains de DJ et compositeurs tous plus inventifs les uns que les autres. Un tant soit peu de personnes, au lieu de penser au m'as-tu vu, pensaient d'abord à s'amuser en premier lieu, tu verrais que la musique serait encore mieux. Et si on peut retrouver certains genres bien connus, comme la dub ou la minimale, qu'on peut entendre dans les festivals plus conventionnels, on trouve aussi des familles musicales plus particulières, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et les envies de chacun. Prenons la techno, cet enchaînement de basses saupoudrées de légères mélodies lancinantes. Ou la drum and bass, la version électronique du hip-hop fort entraînante. La tribe, quant à elle, est un son d'une rare violence, qui réunit la communauté autour d'une danse tribale. Si vous cherchez à vous défouler, alors la hardtech et hardcore sauront vous faire bouger sur leurs fortes basses prononcées. Et si votre souhait est tout simplement de vous laisser porter par les méandres de votre subconscient, alors la belle famille de la trance est faite pour vous. Mais la teuf n'est pas qu'un mouvement musical. Dans sa condition de fête libre, elle permet à beaucoup de personnes de s'exprimer artistiquement, d'illustrer au mieux les univers mis en place au sein des soirées. Et la décoration est digne de ce qu'on peut trouver dans n'importe quel autre festival autorisé. D'immenses structures métalliques décorées selon le thème de la soirée, des contreplaqués tagués, des sculptures et des tentures tout aussi colorées sont aussi de la partie. Les arts de rue sont eux aussi à l'honneur. Il ne faut pas s'étonner de danser aux côtés d'un jongleur faisant danser ses bolas enflammés sur le rythme de la musique par exemple. La free party concentre ainsi plus de pratiques que la majorité des autres mouvements culturels. Mais un point essentiel reste à éclaircir dans cette culture si différente des autres. Un aspect ô combien controversé qui fait que le mouvement ait si peu de crédibilité aux yeux de la masse. Il s'agit bien évidemment de la drogue. C'est notamment pour ça que voilà, les autorités ont essayé de limiter ça. Il y a de la drogue dans les soirées techno, il y a de la drogue. C'est comme ça. Même si on veut essayer de le contrôler, on peut pas le contrôler, on peut rien y faire. Quoi. On peut pas fouiller les gens, on peut, voilà, et puis même, c'est comme ça. Peu importe quelle substance vous cherchez, vous n'aurez aucun mal à la trouver aisément. Si le cannabis et l'alcool sont bien présents comme ailleurs, ne vous étonnez pas à ce que l'ecstasy, la MDMA, les champignons hallucinogènes, la mescaline, la kétamine, le LSD et d'autres myriades de remontants multicolores soient tels aussi légion dans la frie. La drogue fait intégralement partie du décor du mouvement et c'est une chose que les teufeurs n'ont jamais cherché à cacher. Chacun a un rapport différent avec ses produits. Rien n'oblige les gens à en prendre s'ils ne veulent pas. Et c'est quelque chose qui se comprend parfaitement dans la communauté. Et ce n'est pas pris à la légère. La présence d'associations de prévention le prouve. Ces bénévoles sont ici pour prévenir des risques possibles face à tel ou tel produit, pour assurer les premiers soins en cas de soucis. L'association Préventeuf en est un exemple. Et même les médecins du monde sont présents sur les événements. Et ceci depuis les débuts du mouvement.
Pas la peine de se voiler la face. Bien sûr que ça reste dangereux. Combien de personnes ont vu des amis, de la famille, se détruire petit à petit à cause de ça? Mais honnêtement, où est le mal à en prendre lorsque cela reste occasionnel et fait par envie, et non par besoin? Ces gens se permettent de faire des expériences et s'adaptent en fonction de ce qu'ils ont pu vivre. Rien de plus humain, non? Et quant à ceux qui viennent en free dans le seul but d'avoir leur défonce de la semaine, on peut les appeler par tous les noms. Drogués, junkies, j'en passe. Mais jamais, au grand jamais, ces personnes-là ne peuvent être considérées comme de véritables toughers. Parce que malgré tout, le mouvement est victime de ce qu'il est. Ces principes, selon lesquels les soirées sont préparées selon les envies des centres-systèmes, sans aucune contrainte, est à la fois la force de la free, mais aussi son plus gros point faible. Car depuis maintenant quelques années, beaucoup de jeunes crews, fondés sur des coups de tête, prennent le mouvement à la légère, organisant leurs soirées sans se soucier du respect des riverains, du terrain utilisé ou même de la sécurité des participants. Les petits nouveaux qui découvrent les joies de la free arrivent de plus en plus jeunes. Merde, je sais bien que la teuf est accessible à tous, mais lorsqu'on croise des gosses qui doivent avoir 15 piges à tout casser et qui sont libres de gober tout ce qui leur passe sous le nez, on se dit qu'il faudrait quand même mieux faire quelque chose. Les mentalités aussi ont changé, que ce soit du côté des organisateurs ou des participants. C'est triste de voir que le mouvement ne soit devenu qu'un simple effet de mode, alors qu'il porte en lui de vraies valeurs humaines. Pourtant, quand on voit tous ces gens réunis, se battant au nom d'une même cause, il est impossible de se dire que le véritable esprit de la free soit mort. Moi, pour moi, ce mouvement, il est beau parce qu'il reste encore ses vrais... Donc, chez quelques personnes, ses vraies valeurs. Les vrais toughers ne sont pas des monstres assoiffés de sang. Ce sont des gens qui sont là pour vivre un moment unique avec leurs amis et le reste de la communauté. Si on va en free, ce n'est pas pour retrouver tous les travers de la société. Aller en teuf ou se réclamer du mouvement, ce n'est pas juste s'accoutrer d'un truie qu'on vient de trouver au marché du coin. Danser et se droguer le temps d'un week-end. C'est d'abord un acte de protestation. Montrer que les soi-disant valeurs de la société ne sont pas primordiales. Alors pas question de se retrouver avec un mouvement gangréné par une forme quelconque de business, d'atteinte aux libertés, de hiérarchie ou de star system. Beaucoup trop de personnes vont en free party en pensant qu'elles sont libres d'y faire ce qu'elles veulent sans se soucier du lieu, des autres, des sound systems et des conséquences. Car aller en free, ce n'est pas se décharger de toutes ses responsabilités et se pointer comme un je m'en foutiste. C'est au contraire prendre la responsabilité de participer à la mise en place d'un mouvement alternatif, basé sur un système libertaire autogéré. C'est par cette prise de conscience et cette responsabilité individuelle que l'on peut s'affranchir des lois qui régissent la société. Et pour que cela se fasse sans accroche, il n'y a pas de solution miracle. Tout passe par le respect. Que ce soit le respect du lieu ou des autres, c'est la valeur moteur du mouvement. C'est en ceci, à mon humble avis, que la Free Party est un des plus beaux mouvements qui existent. Les toughers n'ont pas pour habitude de juger ceux qui les entourent. Qu'importe la couleur de peau, le sexe, le soi-disant statut social et tous ces critères qui ont plus tendance à diviser qu'à réunir. Cette communauté, qui a pourtant été pointée du doigt plus d'une fois, a tout de même l'intelligence de passer au-dessus de ses différences et d'accepter son prochain tel qu'il est. Contrairement à toutes ces personnes bien pensantes et hypocrites qui se complaisent dans cette société où l'individu et son image priment avant les autres et rejettent toutes ces personnes qui ne seraient pas conformes à leur vision des choses. Mais la vérité, c'est qu'ils sont bien plus répugnants. Et ce n'est pas étonnant de constater que ce sont ceux qui sont considérés comme des marginaux qui font preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? Que va devenir le mouvement? Pourrait-on le revoir surgir en force? Le peu de terrain que certains arrivent à trouver, plutôt que d'y aller de temps en temps, donc d'utiliser avec parcimonie, ils y vont tous les week-ends et il y a moins en moins de terrain. Pour cela, il n'y a qu'une seule solution, que les jeunes sound system retrouvent enfin le véritable esprit de la free. Quand on voit les sonocloques par exemple, ils organisent aujourd'hui des soirées qui se rapprochent le mieux de ce que tout bon toughur peut attendre d'une free party. Un moment de fête et de partage, réalisé par amour pour le mouvement. Si les futurs groupes à venir pouvaient eux aussi mettre l'accent sur ces valeurs. Mais ce qui est beau, c'est que malgré tout ce qui a pu arriver, le mouvement continue encore à faire vibrer de nouvelles terres. Même la Chine s'y est mise, vous vous rendez compte ?
donnait des sites. Tu vois, dans chaque région, s'il y avait des sites, à peu près, peut-être même dans chaque département, s'il y avait des sites légaux pour faire ça, plus adaptés, plus ci, plus là, je pense que ça serait mieux. Ça nous mettrait certainement dans un enfermement de lieux qui ne ressemble pas à la Free. Mais, quelque part, il y a un jour, il va falloir que ça évolue dans ce sens-là, parce que on ne peut pas toujours se faire la guerre. On ne peut pas toujours faire la guerre à l'État, parce que de toute façon, cette guerre-là, pour moi, on finira par la perdre. Au plus il y aura des Free, au plus ils vont durcir la loi. Ils vont durcir la loi. Ils ne vont pas nous aider. Et si l'État ne fait pas un geste et que nous, on ne respecte pas non plus le geste que l'État fait envers nous, ça ne marchera pas. Alors posez-vous la question. Mérite-t-on vraiment notre réputation? Sommes-nous vraiment ce qu'ont pu dépeindre les médias par le passé? Et surtout, où est le mal dans ce que nous faisons? Qu'importe les réponses que vous trouverez, la communauté sera toujours là, forte, sûre de ce qu'elle est et de ses valeurs. Qu'importe les épreuves qui nous attendront, nous les traverserons. Nous serons les vainqueurs dans cette quête de reconnaissance, comme l'a été le rock à son époque. Et même si cela mettra sans doute du temps à arriver, nous serons patients. Après tout, rien ni personne ne peut arrêter un peuple de danser.